Messieurs, Boker Tov. Fatigué aujourd'hui. On a fait le troisième vaccin hier. Parce qu'il faut se faire un petit problème. Voilà. Voilà. Donc je disais que j'étais un peu fatigué ce matin parce qu'on a fait le vaccin hier avec de la fièvre. Mais bon. Hein? J'ai le soleil sur moi. Avancez un petit peu, Rabex, pour étudier. Tu penses que si j'avance un peu. Merila. Il me suit. Il me suit. Oh, c'est bien comme ça. Voilà. Impeccable. C'est bon. Si on peut juste, Eric, ma chaise, comme je suis occupé avec les deux verres. Voilà. Bien, messieurs, d'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce matin, lundi matin. Ador Ageoula, Bracha Veatzlacha. C'est pas grave. Allez. Réunir 600 personnes, c'est pas évident. Le thème d'aujourd'hui est vraiment très beau à travers un point principal de la paracha de cette semaine. Mais je fais ce petit point et puis je rentre dans une idée. Olivier, où il est parti? Il a essayé de se sauver. Viens ici, viens, tu vas voir, viens. Il a accompagné, il a besoin d'accompagner personne qui vient. Je t'attends, Olivier. Bruchim Abaim, Bracha Vatzlacha Bezrat Hashem, Zechut Limouda Torah, pour tous les malades du Ham Israël. Tu peux me dire le nom du malade qui est juste là, ici, là, sur le. Comment? Jonathan Meir, Mordechai, Ben Rachel, Benjamin Ben Esther, Joël Teila Batodet, Liz Noemi Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayush Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette. Merhila, je suis obligé d'avancer. Eh ben voilà. Il fallait juste avancer un tout petit peu pour avoir de l'ombre. Il fait chaud ce matin. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Ah, écoutez-moi ce que la Torah nous donne comme message. Ce matin, j'accueille d'abord mes amis qui se sont connectés. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem refua shelema zivu gagun parnasa tova shalom à la maison bezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu soit avec vous aujourd'hui et que tout ce que vous avez besoin, tous vos vœux soient exaucés. Amen. Ken yiratzon. La délivrance de Dan Lampel bezrat Hashem avec tout l'âme Israël. Amen. Ken yiratzon. Et on souhaite à ton épouse qui vient d'accoucher bon rétablissement. Elle s'appelle comment? Salomé Batsara Bezrat Hashem. Et un grand mazal tov à la petite princesse qu'on a nommée ce matin, Ariella Siena, fille de Salomé Bezrat Hashem, que vous assisterez à son mariage. Bezrat Hashem, amen, Keni Ratzon. Avec nous tous, amen. Rabbeinu Bachye, il lance une bombe dans la paracha de cette semaine. Vayomer Hashem el Avram. Hashem a dit à Avram, Lech lecha me'artzecha. Va de ton pays, de où tu habites, de tes parents, etc. Vers une terre que je vais te montrer. Avram avait nous supposé bien que c'était Eretz Israël. Puisque le Midrash raconte qu'il y a eu avant Brit Ben Abetarim, elle a été faite en Israël. Avram était déjà là. Hein? Il était déjà là une fois. Il savait que cette terre était. Mais quand Shmuel lui a dit de partir, comment il lui a dit de partir? Lech lecha. Quand j'ai envie de te dire de partir, comment je te dis, moi? Lech. Je te dis pas lech lecha. Oui, alors Ashir amen, lech lecha, ça veut dire pour ton bien à toi, le hanatra ou le tovatra, etc. Et bien, Rabbeinu Bachye, il dit pas du tout. Il dit comme ça. Que Katouv le Faresh, il explique que lech lecha vient du mot lichlouch. Lichlouch. Lech lecha, ça vient du mot lichlouch. Traduction en français du mot lichlouch, saleté. Benou Bechaye, en parachat cette semaine. Kelomar, qui veut dire Lech lecha, virde shelotit lachlech, vetitanef midarkehem araim, shelan sheartsecha ou betavicha. Va-t'en, mais pas va-t'en pour rien. Va-t'en pour ne pas que tu te salisses. Comment Dieu va lui expliquer ces mots-là? Il va lui dire Lech lecha, qui vient du mot de lichlouch. Tu sais pourquoi tu dois partir? Parce que tu risques d'être sali par l'environnement dans lequel tu te trouves actuellement.
Là, il vient Rav Pinkus et il dit, « Teshma tov, zavach hachouv me'od. Be'emet, zed nora. » Il dit, Rav Pinkus, « Est-ce que chez Avraham avinu yesh rchash chez Yushpa misvivara ?» Quoi, Avraham avinu va être touché par un mauvais environnement. « Ve'are adraba » au contraire. « Zo haïta mahuto midato amiyuchedet shel Avraham avinu shaya levad blishum chaver ore ou more. » Mais on sait qu'Avraham avinu, c'était ça justement son ADN, c'est d'être seul. Et c'est ce qui dit le Midrash de Bereshit Rabba, Avraham a ivri. Nous on traduit Avraham l'hébreu, mais ivri ne... En hébreu, le mot ivri, qu'est-ce que c'est? D'où il sort la racine du mot ivri? Tu me dis que ivri c'est hébreu, mais la racine du mot ivri, d'où elle vient? Chez Kol Ha'olam Kulo, il dit le Midrash, tout le monde entier. Be'ever Echad était d'un côté, Vehu Be'ever Hasheni, et lui il était de l'autre côté. Tu entends ce que ça veut dire? Il y avait, écoute-moi bien, s'il y avait un homme isolé dans le monde, que personne ne voulait lui parler, que tout le monde s'est battu pour le tuer, que Nimrod a fait, le roi qui était à ce moment-là, un homme énorme, dont le Midrash dit que la grandeur de Nimrod était équivalente à celle d'Avraham Avinu. Lui dans la pureté et l'autre dans l'impureté. Il a essayé, par tous les moyens, parce que vous lisez la paracha de cette semaine, que la semaine dernière, on a terminé la paracha, que Avraham est né. Il s'est marié avec une femme qui s'appelait Sarai. Puis plus rien. Et puis voilà que la paracha commence. Il y a mère Hachem et Avraham. On dirait que c'est un pote à lui. Hachem et Avraham, lech lecha, va-t'en. Allô, c'est qui Avraham? Qui il est? La Torah n'a rien marqué. Est-ce que vous savez qu'Avraham a vécu à l'âge de 3 ans? Pardon, même avant. Son père l'a caché. Dans une grotte. Parce qu'il était recherché. Il était recherché. Les astrologues avaient dit à Nimrod, est né celui qui va mettre la pagaille dans le monde. On est tranquille, on a des idoles, on est bien. Il va venir à un feuge, il va nous rendre chèvres. Il faut le tuer. Et Avraham est recherché. Avraham est recherché par la police de Nimrod. Et les Midrash, il dit, il a vécu pendant plus de 10 ans sans voir le jour. Mais rien n'est marqué dans la Torah. Mais oui, il va sortir après. D'abord, il a failli mourir. Il a failli mourir à la naissance. Parce qu'à la naissance, on est venu le chercher. Et le Midrash dit que son père, qui était un gros tordu, il a pris le bébé d'une servante qui venait de naître, il l'a donné à la place d'Abraham Avinu. Ils l'ont tué. Mais les astrologues, ils sont venus, ils ont dit, il est là toujours. Ah, tu te débarrasses pas d'un juif comme ça. Il est là. Il est là. Et il va le chercher. Et quand il va sortir, il va l'attraper. Il va le jeter dans Ur Kasdim, une fournaise monstrueuse. Avraham Avinu, il a passé des choses monstrueuses dans sa vie, avant d'arriver à ce Lech Lecha. Lui, il a besoin de se sauver de la saleté, alors que lui, toute sa vie, il est seul déjà, toute sa vie, il se bat contre tout le monde, toute sa vie, il essaye de faire passer une conception révolutionnaire du monothéisme, qu'il y a un seul Dieu, et c'est lui qui a créé le monde. Il est déjà seul, ça fait longtemps, lui. Qu'est-ce que t'as besoin de l'avertir? Attention, Avraham, va-t'en, tu risques de te salir. Omnam, il dit Rav Pinkus, Atshuvat Monabe, Dvarav Shel Rabbeinu Bechaye. Il dit, dans les paroles de Rabbeinu Bechaye, il y a la réponse. Il te dit Rav Pinkus. C'est quoi? Il te dit, l'ichlouch, 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 saleté, de la boue. Ou kemo sha l'ichlouch nidbak ba'adam ibli shetiye lo kavana machava, l'ekarevo elav. Mets-toi à côté de quelqu'un qui... Mets-toi à côté de quelqu'un qui est avec un gros batteur, il est en train de battre des œufs. Et mets-toi, colle-toi au batteur. Et dis-toi, je ne veux pas me salir, moi. Je vais rester propre. Mais tu te colles au batteur. Il y a les œufs qui sont en train de monter comme ça, en neige. Qu'est-ce qui va t'arriver? Même si tu ne veux pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te salir. Mets-toi avec des éboueurs, dans leur camion. Et dis-toi, moi, il faut que je reste nickel, les gars. Tu ne peux pas, tu vas te salir. Que Moshe Alichlouch dit,
Nidbak ba'adam ibrishit yelo kavana ou machshava likarevo elav. Comme la saleté s'attache à la personne, même si la personne ne veut pas être salie. Mais tu te mets devant la saleté, qu'est-ce que tu veux? Kahi ashpa'at asviva. Ainsi est l'influence de l'environnement, de l'entourage. L'influence de l'entourage. Shigami misaera adam. Écoutez les mots de Rav Pinkus et les mots d'Akadosh Baruch Hu. Ça, même si un homme fait attention, lo lishtayech alehem velo lithaberitam. Moi, je suis avec des personnes peu recommandables. Mais chas v'shalom, je ne veux rien apprendre d'eux, mais c'est mes copains. Il te dit, ba'al korho, titbak bo ashpa darkem. Il n'y a rien à faire, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Tu vas être atteint. Tu vas être atteint. Il n'y a rien à faire. Et regardez, des midrash, biru chachamim, et asakana yoter. Stéphane, le midrash, il dit, sur un verset de Shlomo HaMelech, Olech el hachamim yekam, vero exilim yaroa. Pour vous traduire les mots, ça va vous faire plaisir. Celui qui va avec les sages, il deviendra sage. Le mec, il vient au Beit HaMidrash. Tu viens au Beit HaMidrash tous les jours, parce que t'es pas un clochard, t'es pas un pauvre type qui reste à la maison sans rien faire tous les matins, sans rien faire. Le mec, il fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Il va au Beit HaMidrash, il n'y a rien à faire. Inévitablement, Shmuel, tu deviendras sage. Hein, Shmuel, ce Shabbat, il a fait un Dvar Torah. Shmuel, quand il y a quelques années, sa femme m'a dit, essayez de l'amener au moins une fois à la synagogue. Mais il ne quitte plus le Beit HaMidrash. Et Shlomo HaMelech continue, il dit, Vero exilim yaroa. Et celui qui va avec les idiots, il deviendra idiot. Il n'y a rien à faire. Et le Midrash, il dit, si tu ne m'as pas compris dans mon idée, le Midrash, il développe lui-même. Il te dit, si tu ne m'as pas compris dans mon idée, je vais te clarifier les choses. Machal et madavardomé, c'est les mots du Midrash. Voilà à quoi ça ressemble. Le Adam, shenichnas lechaluto shel bosem, shel basam, vekalat riyach hapsamim. Quelqu'un qui rentre dans une fabrique où on fait des parfums. Il va rester là-bas une demi-heure, une heure. Il va sortir, il est quoi? Il est parfumé, il n'y a rien à faire. Vechen la eper, il continue le Midrash, il dit, l'antithèse d'une parfumerie, à l'époque, c'était un endroit où on tannait les peaux. Il y avait une odeur monstrueuse. On tannait les peaux. Il va sortir de là-bas, il pue. Malasso, tu pues. Pourquoi je pue? Moi, j'ai pas voulu, je me suis pas approché des peaux. J'ai pas tanné les peaux. Il n'y a rien à faire, c'est dans l'air. Tu peux rien faire sur ça. Et le Maïmonide y vient, il te place les idées une fois pour tout dans ta vie en place. Il te dit le Maïmonide, dans Ilchot Deaot, Perek Vav, Derech Beriyato Shel Adam, la nature humaine. Allez, écoute-moi bien. La nature humaine, tu ne peux pas te battre contre elle. La nature humaine, si je te dis que la nature humaine est de respirer. Un beau matin, tu te lèves, tu dis, moi, cette dictature de la respiration, je ne veux plus entendre parler de ça. J'arrête de respirer. Bah, je suis désolé. Tiens, ta manif, elle va durer 2-3 minutes et tu vas partir. Ah, j'arrête. Je ne veux plus respirer. C'est quoi ça quand on nous oblige à respirer? Pourquoi? On fait ce qu'on veut, nous. Briato chez la dame. C'est la nature de la création que Dieu il a mis dans l'être humain. Il te dit, liyot nimshar bedeota vahar reav vahaverav, qu'il est attiré inexorablement par ses amis et par ses voisins. Venoheg keminhag ashe medinato. Et à la fin, il va se conduire comme eux. Chut, petite parenthèse. Il y a un symptôme actuellement, Yoel, de tous nos amis qui vont en France de temps en temps. Ils reviennent et me disent, j'ai vite voulu rentrer. Et même mes amis, je trouve plus de discussion avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé ici. La terre d'Israël, elle t'a cassé en miettes. Elle a fait sortir ta neshama, elle t'a cassé en miettes. Elle t'a cassé en miettes ici, ça casse en miettes. Elle t'a écrasé. Ma sœur, après tu vas à Neuilly. Tu vas à Saint-Mandé, on les aime, c'est nos frères. Mais
ils sont posés comme ça, il n'y a rien qui a changé. Et toi, ta vie, elle est en train de courir. Il y a eu des bouleversements, t'as appris l'hébreu, t'as commencé à travailler en Israël, tu commences à vivre la mentalité du pays, t'as tes enfants à l'armée. Waouh ! 200 millions de choses, ils se sont passés en 4, 5 ans, 6 ans, qu'en France, ils sont posés. Tu dis, j'ai plus de... C'est plat. Un monsieur, grande fortune, que j'étais avec lui ce Shabbat dans un hôtel. Il m'a dit, je vais à Paris de temps en temps pour mon travail. Mais il m'a dit, ça m'a choqué que lui me dise ça. Il m'a dit, j'arrive plus à discuter avec mes amis. C'est, qu'est-ce qu'il y a? Tu changes par rapport à l'endroit où tu es, que tu le veuilles ou non. Voilà, c'est clair. Les fikar tzarich adam, c'est les mots du Rambam, Maïmonide. C'est pour cela que l'homme doit l'itraber la tzadikim. Écoute-moi bien, même s'il faut que tu dépenses 1 milliard, il faut que tu te construises un bêta midrash et tu mets des rabbanim et des tzadikim. Même si toi, tu ne vas pas étudier, ce n'est pas grave. Mais tu viens et tu t'assois avec eux. Il n'y a rien à faire. C'est dans l'air, tu vas changer. Tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est dans l'air. Quand je dis que vos enfants doivent rentrer ici, doivent être là, même s'ils ne font rien, je m'en fiche. Ils arrivent Shabbat, ils ne font pas grand-chose. Ils nous embêtent. Je leur donne des bonbons. Maintenant, je te parle des mecs qui ont 15 ans, 16 ans. Hein. Tu as envie de leur mettre une claque. Je suis pas en train de parler des petits bébés qui arrivent. 16 ans, il est assis là comme ça, comme un bœuf. Comme ça, un bœuf. Là, il bouge pas. Tu fais quoi? Prends ton livre, fais quelque chose. C'est pas grave. L'air. Yann Davakazé. L'air, l'ambiance, l'endroit, il va changer. Il n'y a rien à faire. Et il termine le Rambam, il dit, « Où chez Shlomo Omer ?» C'est sur ça que Shlomo, il a dit, « Olech et hachamim yakam » que celui qui va avec des sages, il deviendra sage. Il n'y a rien à faire. Sagesse. Il dit le Rav Pinkus, « Diyek harambam » Si vous regardez la précision des mots du Maïmonide, « Derech briato shel adam » Il a dit, « C'est la nature. » Ça veut dire qu'il dit Rav Pinkus, sur la nature, tu ne peux pas te battre. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui sont la nature. Tu ne peux pas te battre. Impossible de dire, par exemple, demain matin, j'arrête de manger. C'est la nature de l'homme qui doit manger. S'il ne mange pas, il meurt. On est bien d'accord. Alors, il te dit une chose. Il te dit, il précise ça parce que c'est le problème de notre siècle. Il te dit, qui c'est qui peut aller contre la nature? Tu peux aller contre tout ce que tu veux, mais pas contre la nature. La nature qui veut dire les choses, les lois de la nature, tu peux pas les enlever. Immuable, qu'on vieillit avec l'âge. Un beau matin, tu te lèves, tu dis, j'accepte pas. Ah, j'accepte pas. Moi, je vais rester beau gosse, jeune tout le temps. Ok, tu peux dire ce que tu veux, mais tu pourras pas. Le corps, il n'y a rien à faire, c'est la nature. Ah, c'est la nature. Il te dit, Rav Pinkus, quand le Rambam, il a dit, c'est la nature humaine d'être influencé par ceux qui sont autour de toi. Il dit, c'est que mon cholé, shishlo machala medabeket. Ben ça, aujourd'hui, Rav Pinkus, il a écrit ce livre il y a 30 ans. Ah ouais, il y a 30 ou 35 ans. Zerat tzadik livracha. Il dit, un malade qui a un virus, qui porte en lui un virus. Et toi, tu deviens, tu te mets à côté de sa bouche, tu mets ton nez à côté de sa bouche. Et tu vas dire, moi, le Covid, connais pas. Et papa, non, pourquoi il va venir chez moi le Covid? Ah, je suis désolé, j'en veux pas, moi. On va te dire, monsieur, tu mets ton nez à côté de sa bouche, sans masque, sans rien, que tu veux. Il y a la nature. Tu peux rien faire contre la nature. Terminé. Le Rambam, jamais il a dit ça. Une fois, il a dit ça. Dans quoi? Derech briato. Le Rambam, il aurait pu dire derech sirlo chez la dame. C'est, on va dire que c'est l'intellect de l'homme qui nous attire vers d'autres personnes. Il n'a pas dit ça, le Maïmonide. Il a dit derech briato. C'est la nature. Et contre la nature, tu peux rien faire. En d'autres mots, ne viens pas après pleurer que tu es parti habiter dans un endroit. Et après que tu as acheté la baraque, tu cherches voir s'il y a un rabbin dans le coin. Ou un mikvé. Ou par exemple, tu vois que l'entourage n'est pas bonne. Elle est néfaste. Tes enfants, des adolescents,
sont là en train de traîner au bord à la piscine. Avec qui? Avec quoi? C'est qui? Qu'est-ce qui parle ces gens? Quelle est leur vie? Et toi tu dis, ah Dieu ne plaise, Haz Vishalom. Mes enfants, jamais. Tu peux dire le mot jamais jusqu'à la fin de ta vie. Derer Beriyato. C'est la nature. Et sur la nature, tu peux rien faire. Et là, il y a le Ravarouche. Je voudrais juste vous dire quelques mots parce que c'est très important, Behemet. Atzalat Nefashot. Que vous les prenez vraiment bien. Acharei she'adam kibel et hanekuda hazot she'udar imishparto bemakom Torah. Je te dis la première des choses. C'est la sauvegarde de la famille. Un père de famille, une mère, devront d'abord avoir comme souci la sauvegarde de la famille. D'habiter dans un endroit où il y a de la Torah. D'habiter dans un endroit où il y a un rave. Si possible, qu'il ne soit pas trop gentil. Parce que gentil, il ne te dit rien. Mais qu'il soit un peu comme je t'ai fait TV ce matin. Je t'ai dit, je te fracasse. Tu viens pas, je te fracasse. T'as intérêt, heureusement que t'es venu ce matin, je t'aurais fracassé. Et il le sait que je vais pas le lâcher. Ils le savent. Et Shai, tu crois que Shai, il n'est pas fatigué des matins? Mais il sait qu'il va recevoir après un message. Je vais lui pourrir la journée dans le message. Comment, machin, ici. Oui ou non? Ah, lama. Il n'a pas besoin de tout ça, allez. On veut rester tranquille, nous. On est libre. On fait ce qu'on veut de la vie, David. Mayesh, Ozma, qu'est-ce qu'il y a? Non, il te dit, il n'y a rien à faire. Il te dit, après que tu as commencé d'abord par la première chose, comme Torah, où tu dois habiter avec ta famille, deuxième chose. Nikhneset nekuda shel zehirut bahanasat orhim. Toi, tu aimes les invités. Eh bien, tu aimes les invités. Mais il y a un problème avec les invités. Pas toujours, mais il peut y avoir. Ki achresh adam kvardar bemakom Torah. Déjà, tu es venu habiter dans un endroit bien. On sait que tu sais qu'il y a de la Torah pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, qu'elle vient le Shabbat, des shiurim de Torah et des choses comme ça. Très bien. Deuxième chose, on te demande, lo leachni, c'est à kilkul et tochabait. Fais très attention que tu ne fais pas rentrer le virus à la maison. Tu t'es déjà bien mis dans un endroit où il n'y a pas de virus. Maintenant, on n'a même pas des virus à la maison. Traduction. Asur l'adam l'achni sabayta anashim she'yicholim lazik l'chinuch yeladav v'laruchaniyut shel habayit. Toi, avec ta femme, vous êtes mis des standards de vie, de spiritualité, de Shabbat, de parole, de façon de vivre, de valeurs que vous transmettez à vos enfants. Si tu fais rentrer à la maison une famille, même si c'est ta famille, mais elle est fracassée, tu fais rentrer des virus à la maison, tu fais comment? Ben oui, non, parce qu'il va te dire que les invités, c'est important d'avoir des invités à la maison. Mais va d'aille, il ne te dit pas de vivre en autarcie. Mais fais attention. C'est chaud, ces années là où tu commences à faire grandir tes enfants, jusqu'à qu'ils arrivent à l'âge de 20 ans, c'est bouillant. Il te dit, kama vekama nezakim idorim bechazal. Malheureusement, combien nos sages ont parlé sur ça? Des dégâts. Chez Nigremu, Mahnasat Ochim Lonechona. Qu'on a fait rentrer des invités qu'on n'aurait pas dû faire rentrer. Il n'y a pas, je me fais un kiff. Je l'invite. Mais tu sais qu'en l'invitant, ça va partir à la maison, ça va être la catastrophe. Lui, ses enfants, etc. Comment tu fais? Après, tu vas dire quoi? Que tes enfants, ils n'ont pas à regarder? On a expliqué que c'est l'air, il n'y a rien à faire, tu ne peux rien faire contre ça. Il te dit, mais bien sûr qu'il y a une mitzvah de faire entrer des invités. Mais bien sûr! Même ceux qui sont loin de la Torah, de les faire entrer, bien sûr. Aval, tsarich le'asot ve'ofan she'shomrim ala elyonut ve'ashlita ala mishpacha shel mishpacha ala ochim. À une condition, c'est que tu puisses gérer que la proximité entre ces personnes que tu as invitées, qui sont très loin de ta conception, et ta famille, ne soit pas un moment donné où tu peux perdre contrôle. Traduction. Ils viennent Shabbat à la maison manger avec grand plaisir. Vous chantez les Zmirot Shabbat, vous dites des Dvar Torah avec grand plaisir. Mais moi j'aurais dit qu'il y a un problème. Si vraiment les enfants de cette famille, c'est pas qu'ils sont loin, mais que tu sais qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Aujourd'hui un enfant à 12-13 ans, on peut lui commencer à lui donner. S'il a un copain, il va commencer à fumer du shit. Vous croyez quoi?
etc. Et tous ces travers. Si vous avez des gens comme ça, faites attention. Vous n'avez pas le droit de faire rentrer à la maison des mauvaises choses. Que, je te dis, on l'a appris d'Avraham Avinu, hein, malheureusement, que dans Parashat Va'era, quand il a vu qu'il y allait avoir un problème entre Ishmael, la proximité de Ishmael et de Yitzhak, Vatere Sarah et Ben Agar Amitzrit, Asher Yalda le Avraham Yitzhak, quand elle a vu que Ishmael commençait à détourner Avraham vers des bêtises, elle a dit, Garesh et Ama Azot Vet Bena, elle a dit Avraham Avinu, il faut une séparation entre les familles, il n'y a rien à faire. Entre Hagar et son fils, et moi et mon fils. Moi de mon fils doit sortir le peuple d'Israël, il est hors de question qu'ils restent ensemble, il est hors de question. Avraham Avinu, pour lui c'était une grande déchirure et une grande blessure, mais il n'avait pas la vision de Sarah, il n'avait pas la vision de cette mère. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Avraham Avinu, il lui a dit, Al yira be'enecha, ala na'ar ve'ala matecha, ne sois pas désolé de ce que tu es en train de faire, de prendre ton fils et sa mère et de les éloigner. Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola. Tout ce que ta femme elle te dit, fais-le. Ki beitzrak ikar elecha Sarah, parce que ta génération, la génération du Ham Israël, sortira de Yitzhak et pas de Ishmael. Il te dit, je termine avec ça. Il dit comme ça. Ve'al ze ne'emar, itrachek mishachenra. Il est marqué dans la Mishnah. Éloigne-toi de mauvais voisins. Adam ifrar et makom amigurim shebo. Yeshet aminem om efsharot et kalkel ki ifshar lisgor et ayelad abayta vasliva mashpira meod. Il te dit, comme tu sais que de toute façon tu ne peux pas emprisonner tes enfants, comment tu pourras les emprisonner à la maison? C'est impossible. Tu ne peux pas emprisonner des enfants. Alors essaye au moins que le périmètre de sécurité qui doit être autour de cette maison, il doit être valable. Il n'y a rien à faire. Ce périmètre de sécurité. Les gabé bikurim, chez le comité crevé mishpacha, ou les familles mitvarim, mais d'abrim diburim chez l'autre, sachez d'abri liada yeladim. Tchim la date, l'ishmor la yeladim, et tu seras chama bilibilif guab, afechat khalila. Il te dit, quand tu sais que tu vas avoir des invités, que quand ils parlent, il y a des débordements. Alors, tu ne veux pas te priver de les inviter, c'est ta famille. Mais quand ça ouvre la bouche, c'est une catastrophe. Quand la mère elle parle avec ses enfants, le père il parle avec ses enfants, c'est des mots d'un autre monde que toi tu n'as pas chez toi à la maison. Tu devrais, en préalablement, gentiment, tranquillement, avant l'invitation, dire à tes amis, regardez, vous allez venir chez moi à la maison, je fais très attention de ne pas faire sortir des grossièretés et des mots qui ne sont pas bien. Je vous demande, mais vakasha, de faire attention quand vous êtes chez moi. Il y a une chose. Qui me met dans une grande colère. C'est que quand on dit à quelqu'un qui n'a pas de valeur que nous vivons avec des valeurs et qu'on lui demande que quand il vient chez nous, il ait ses valeurs, il est vexé. Oh, monsieur là avec sa religion, il est vexé. Il est vexé, puis il est même, il dit, oh, pff, il était mieux avant. Hein. Je sais pas qui c'est qui lui a fait rentrer toutes ces idées dans sa tête. Regarde maintenant comment il nous parle. Alors moi, je voudrais dire à ces gens, de la même façon que moi, je dois les respecter. C'est normal. Eux, ils doivent respecter mes convictions. Le respect ne peut pas être d'un seul côté, s'il n'y a pas le deuxième côté. Et là, il arrive à une idée, parce que je suis un peu fatigué, donc j'arrête ici. Il arrive à une idée, il dit, « Yeshna anosei shenesira le mishpachot. » Quand on doit voyager chez la famille, chez les beaux-parents, les beaux-frères et les belles-sœurs, etc., Zenosera Gish Beyoter. Il te dit attention, c'est un sujet qui est très inflammable. Sherbe Pahamim, Yeshna Bali Tshuva, Shamishpachot Shelahem, Loshomre Torah Mitzvot, ou Mitzadechan. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait une évolution dans leur vie, mais qui ne veulent pas perdre contact avec la famille qui n'a pas fait d'évolution. Aval Mitzacheni. Mais il y a d'un autre côté certaines choses dans ces familles chez qui je ne veux pas perdre contact. Chez qui je ne veux pas perdre contact, il y a certaines choses qui risquent de détruire l'éducation que je suis en train de mettre à mes enfants. On va aller chez la belle-sœur, chez le beau-frère, mais c'est une catastrophe. Comment les enfants y répondent aux parents? C'est horrible ce qui se passe. Et toi, tu te dis, mais
Qu'est-ce que... Comment je fais? J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et il te dit, il y a beaucoup de familles qui interdisent à leurs enfants la télé. Il y a beaucoup de familles qui interdisent à leurs enfants Internet. Puis quand tu vas rentrer dans ces maisons, tout est ouvert. Tu fais comment? Il te dit, Trim la date. Je termine avec ça, il faut savoir. Shien shum heter lehazik lailadim bishvin shum davar. Il n'y a aucune autorisation de détruire la vie de vos enfants. Pour aucune idée, la plus suprême soit-elle. Il n'y a aucune autorisation de détruire les enfants. Encore une fois. Il y a kivudava'em que tu dois amener tes enfants chez tes parents. Mais si, en allant chez tes parents, il y a une déstructuration de toute l'éducation que toi tu as amenée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les machals, il te dit, ah bon, mais c'est dur de dire ça, hein, David, c'est des sentiments. Il dit, Laura, vous voulez que je vous donne une image pour que vous compreniez exactement? Admettons qu'il y a le grand-père, il a une maladie contagieuse et très dangereuse. Impossible de s'approcher du grand-père. On va amener les enfants. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Il veut les prendre dans les bras. Il veut les prendre dans les bras, il va les embrasser. Mais c'est mon père. Mais tu sais que... Tu comprends un peu l'image. Tu sais qu'en amenant tes enfants chez ton père, qui a une maladie qui est très, très... Comment on appelle ça? Contagieuse. Tu risques de porter atteinte à la vie de tes enfants. Alors, on fait comment? Alors il dit... Moi, je pense, hein, la première des choses, on s'assoit et on discute. On discute pas au moment où on doit amener les enfants, ou après qu'on a repris les enfants, ou après qu'on est énervé, etc. Avant. Avant. De prendre les parents, de leur dire aux parents, mais notre rêve, c'est que nos enfants viennent chez vous. Les petits-enfants ne doivent pas être privés des grands-parents. Il est hors de question. Mais papa, maman, c'est nous qui nous occupons de l'éducation de nos enfants et on a pris un certain tournant, certaines valeurs dans cette éducation. Parce que la situation aujourd'hui, elle est très grave. Je mets des périmètres de sécurité. Moi, je trouverais, Bémet, que si des grands-parents sont vexés d'entendre ce discours-là, c'est que ces grands-parents n'ont aucun respect de l'autre. Parce que moi, mes enfants donnent une éducation à mes petits-enfants, je vous le dis, qui n'est pas mon éducation à moi. Elle est peut-être mieux que la mienne, hein? C'est rien. Je n'interviens pas. Combien de fois ça m'arrive que j'ai envie de faire sortir pas des paquets de bonbons. J'ai envie de faire sortir. Mon fils, il me dit non. 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 Non, c'est pas bon. C'est moi, je suis un peu dans l'abus, dans l'excès. C'est normal avec les petits-enfants, dans les excès. Je dis non. J'écoute, c'est ses enfants. C'est ses enfants. Asma, qu'est-ce qu'il y a? Le monde, il est tombé? Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique. La plus grande, c'est que tous ceux qui ont perdu des enfants, et dans la drogue, et dans la délinquance, et dans la bêtise, dans les bêtises, c'est pas venu seul. C'est pas qu'un beau matin, ce fils est devenu... Il était dehors, là, devant des arbres, il n'y avait personne, et il est devenu un délinquant. Ou il a fait un accident, ou il a fait un truc de moto. C'est pas venu comme ça. Il y a eu des copains. Tu me suis? Il y a eu un environnement. Il y a eu des parents irresponsables qui ont fait rentrer des virus à la maison. Hey, qu'est-ce que tu fais? Bémet, mazé. Lisgor. Beti miftsari. Ma maison, c'est ma forteresse. On rentre pas. On fait attention. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais mettre une pancarte énorme à la rentrée de ta maison. Attention, chantier en construction. Attention, défense d'entrée, entre guillemets, Razvei Shalom, c'est pas que tu laisses pas rentrer les gens chez toi à la maison. Mais comprenez-moi, défense d'entrée, on laisse pas rentrer des choses qui peuvent détruire le chantier. C'est un gros chantier. Très gros chantier. Il est déjà compliqué sans ça. S'il est pollué et parasité par des parasites, c'est une catastrophe. Donc l'un devrait respecter l'autre. Tu dois respecter tes parents et bien leur expliquer. Et les parents doivent comprendre. Et si les parents ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas... Ils n'ont aucun respect de l'autre.
Parce que le respect de l'autre, c'est de respecter ce que l'autre fait. Respecter ce que l'autre y fait. Rien à faire, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est ça la chorma. Pourquoi ? Pour des bonnes choses. Je vous souhaite bracha vatzlacha, une très bonne journée. Amen, Kenny Ratson. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, au maximum de personnes. Les accords d'Israël, Fika, Ribalam, Torah, Mitzvah, Chelema, Radana, Hafet, Semarat, Zit, Kouak, Doutoura, Via, dire pour qui? Eliaou Ben Shmuel. Eliaou Ben Shmuel, une fois Chelema, ses paroles de Torah, Menken, Iratson. Amen.